Salut madame, salut monsieur, vous êtes sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et je suis ici sur Afrique Today. Vous pouvez regarder Afrique Today sur quatre plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur votre website, sur notre website www.africetoday.com. Vous pouvez aussi tout simplement télécharger les applications d'Afrique Today et vous aurez l'occasion et l'opportunité de regarder toutes nos émissions en direct directement sur votre téléphone. Alors aujourd'hui, nous avons un invité très 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 spécial. C'est une dame qui s'appelle Madame Rose Angèle Elormont. Elle vit du côté de Harrisburg, c'est en Pennsylvanie, et nous allons essayer, si la connexion nous permet, avec de nous connecter avec Madame Rose Angèle Elormont du côté de Harrisburg en Pennsylvanie. Alors, Madame Rose Angèle, si la connexion est bonne et si vous m'écoutez, bon après-midi, bienvenue sur Afrique Today. Bon après-midi à vous, Monsieur Alain Pierre. Alors, bienvenue ici sur Afrique Today. Merci. Alors, nous avons décidé de vous rencontrer parce que ça fait partie l'un des succès des Africains qui viennent ici aux États-Unis. Et nous savons que vous avez obtenu un très grand succès ici aux États-Unis. Mais avant cela, je voulais tout d'abord présenter quelque chose à nos invités. Nous sommes allés à votre rencontre dernièrement en Pennsylvanie. Nous sommes venus en Pennsylvanie, plus précisément à Harrisburg, où nous sommes venus participer à une cérémonie très très importante, et c'est de cela que nous allons parler alors cet après-midi. Alors, vous êtes sur Afrique Today. On regarde tout d'abord ces petites interviews qu'on a eues de vous, et nous allons faire des petits commentaires sur cela. On revient juste tout à l'heure. À bientôt. Je m'appelle Mbassi Rose Angèle. Je suis née au Cameroun dans le département de l'Alekié, dans l'arrondissement de Bala. Ma paroisse d'origine, c'est Koudandeng et mon village, c'est Etombidjoué. Je suis née d'une famille de 11 enfants, 6 garçons et 5 filles. Mes parents m'ont élevée dans la foi chrétienne catholique. Et j'ai fréquenté dès mon bas âge l'école catholique Saint-Moukassa de Koudandeng. Après mon CEP, je suis allée au collège Joseph Stinzi d'Obala, où j'ai eu le privilège d'être encadrée par les sœurs de Saint-Paul de Chartres qui sont parties. Après cela, je suis allée au CS de Ndikinimeki, où j'ai eu le BPC. Comme dans le temps, après le BPC, on m'a transféré au lycée classique de Bafia. C'est là où j'ai eu mon baccalauréat A4 allemand. Aussitôt après le baccalauréat, ma première orientation de ma vie, c'était de servir le Seigneur. J'ai donc essayé à plusieurs reprises d'intégrer une congrégation religieuse pour servir le Seigneur comme sœur. J'ai fait plusieurs essais, cela n'a pas marché, mais je ne me suis pas arrêtée là. Je suis allée à l'université de Yaoundé 1, où j'ai commencé à faire l'histoire et je me suis spécialisée en histoire des relations internationales. En 2000, je suis entrée à l'université en 1999. J'ai eu la licence en 2001, j'ai eu la maîtrise en 2005, 2007, j'ai bravé un diplôme d'études approfondies qu'on appelle le 2A en histoire des relations internationales. Avant de faire le 2A, j'avais d'abord été acceptée au collège de la retraite en tant que professeur d'histoire-géographie au collège de la retraite à Yaoundé, où j'ai servi de 2005 à 2010, avant de venir ici aux États-Unis. Et ma raison de venir ici aux États-Unis, c'était pour venir faire mon doctorat, mon PhD en histoire des relations internationales. En même temps, j'avais une autre raison de ma vie, de faire ma vie avec une famille.
Je suis arrivée aux États-Unis en 2000, le 15 février 2010. J'ai atterri dans la ville de Atlanta, l'État de Georgia, où j'ai rencontré un homme que j'ai épousé plus tard. Un an après notre rencontre, j'ai décidé de me déplacer pour venir habiter en Pennsylvanie avec lui. Et aussitôt venu dans la ville de Harrisburg en 2011, j'ai eu le plaisir encore de travailler avec l'Église. C'est encore une journaliste qui est là. J'ai eu le plaisir encore de demander où est-ce que se trouve l'Église catholique. Et du coup, les pères franciscains m'ont accueilli et ils m'ont montré la voie de l'Église où j'ai commencé à servir à la sacristie comme lectrice, comme chanteuse à la messe. Tous les matins, je faisais les messes quotidiennes, tous les matins, vivant à Harrisburg. Cela est une passion pour moi et c'est dans cette voie que j'ai donné, je me suis donné au monde, à mon peuple, au peuple de Dieu, pour servir l'Église à travers la chorale. La position que je suis aujourd'hui, c'est une position de joie pour moi parce que j'ai appelé cela un appel, un retour à la maison du Père. Les voies de Dieu sont insondables. C'est vrai, c'est aux États-Unis que l'évêque du diocèse de Harrisburg m'a reconnu et m'a appelé pour servir le peuple de Dieu ici dans son diocèse, un diocèse qui comprend 89 paroisses, où je suis coordinatrice de la communauté afro-américaine. Être immigrante aux États-Unis, ce n'est pas chose facile. Je dis merci à Dieu, je rends grâce parce que le Seigneur a parlé très fort. Il a corrigé tout ce qui n'avait pas marché dans mon passé. Je suis reconnaissante vis-à-vis de tout cela que j'ai rencontré, qui ce sont des hommes de bonne foi qui m'ont aidé à être là où je suis. Être intellectuelle, femme inscrite, mariée et vivre en Amérique, ce n'est pas chose facile. Être intellectuelle, mariée, être immigrant et travailler dans l'Église, ce n'est pas chose facile. Je dis merci une fois de plus à tous les pères, à tous les prêtres du diocèse d'Obala. Je ne vais pas citer les noms, ils se reconnaîtront quand ils me verront sur les chaînes de télévision. À vous tous qui avez mis de votre paquet pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, je vous dis merci. Je suis pleine de reconnaissance vis-à-vis de ce que vous avez fait pour moi, vous m'avez donné l'espoir de vivre. Et c'est grâce à vous que je suis ce que je suis. Je dis merci à Dieu et merci à l'évêque Gainer, Donald Gainer du diocèse de Harrisburg, qui m'a donné vraiment le goût de vivre. Merci beaucoup. Je ne vais pas manquer de parler de mon mari qui m'a toujours soutenu, M. Elomo Ongene Albert, que certains vont découvrir à la suite de l'interview. Alors là, c'était vraiment très passionnant ce qu'on venait de suivre, où vous avez parlé de votre parcours depuis le Cameroun. Un parcours, il faut le signaler, qui n'a pas été facile, Rosangèle. Effectivement. Alors, je sais qu'on a déjà suivi. Racontez-nous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes là et il faut rappeler que le but de votre présence aujourd'hui dans notre émission, l'invité du dimanche, c'est parce que vous avez été nommé à la tête d'un diocèse, le diocèse de Harrisburg, en Pennsylvanie, où vous avez été nommé comme la coordinatrice générale de ce diocèse de la communauté afro-américaine. C'est ça, non? Exactement. Parlez-nous un peu de votre rôle. C'est quoi coordinatrice générale de la communauté afro-américaine dans un diocèse comme celui-là? En fait, dans l'Église catholique,
il y a le service de coordination des ministères, ils appellent ça ici, dans la coordination de la communauté catholique afro-américaine. C'est un poste de travail dans l'église où l'évêque m'a invité à diriger toute la communauté noire. Bon, en acceptant ce poste, il m'a demandé particulièrement, un de ses objectifs, c'est de pouvoir ramener tous les noirs de son diocèse à l'église, parce qu'il y a un constat, dans l'église catholique aujourd'hui, on ne voit plus tellement les noirs actifs. Et celle qui a été à ce poste il y a cela 25 ans, pendant 25 ans, puisqu'elle était déjà en train de se fatiguer, l'évêque a donc trouvé mieux de redorer un sang neuf, de mettre une personne, particulièrement une personne d'Afrique, pour pouvoir donner la même ambiance, la même animation des célébrations eucharistiques que nous avons en Afrique et utiliser cela pour que cela puisse aider, puisse servir à la communauté afro-américaine ici dans le diocèse de Harrisburg. Je dois déjà dire que la communauté noire américaine ici, elle vit, mais elle n'est pas très active. On ne voit pas les noirs engagés dans l'église. Et le responsable du diocèse avait donc besoin d'une personne dynamique, d'une personne qui a le leadership, comme on dit, pour pouvoir ramener, inviter les autres à contribuer de façon efficace et active dans la mission d'évangélisation qui nous interpelle. Merci. Je veux rappeler à tous ceux qui nous regardent actuellement que vous êtes actuellement en direct avec moi du côté de Harrisburg, c'est du côté de Pennsylvanie, une ville qui n'est pas très loin de Maryland. C'est ça, non? C'est à quelque chose comme 2 heures de l'état de Maryland. Oui, effectivement. Nous sommes à Harrisburg. C'est la capitale de la Pennsylvanie, 2 heures de route de Washington, D.C. OK. Donc, vous avez été donc nommé... Vous avez donc été nommée coordinatrice de la communauté afro-américaine. Donc, une fonction qui ne sera pas compliquée, qui sera vraiment compliquée, essayez de nous parler de cette fonction. Qu'est-ce que vous feriez exactement comme coordinatrice de la communauté afro-américaine? Depuis le jour où j'ai reçu cet appel de diriger la communauté catholique, moi-même, je me suis posé la question d'où me venait cette chance, d'où me venait cette exhortation de servir, de diriger une si grande communauté. Intérieurement, j'ai dit, quand on te confie une mission, il y a toujours un plan. Et je crois que ici, nous sommes dans le plan de Dieu dans ma vie, parce que mes premières orientations, quand je deviens à l'âge majeur, c'était de servir le peuple de Dieu à travers l'Église, c'est-à-dire devenir religieuse. Beaucoup de gens me connaissent dans ce sens-là, dans l'Église catholique, où j'ai toujours désiré servir mes frères et sœurs, les aider. Et aujourd'hui, quand j'ai reçu cette nomination, cet appel, je me suis dit, le plan de Dieu s'est réalisé. S'est réalisé et je pense que, avec l'aide de Dieu, je me dois de montrer que le Seigneur ne s'est pas trompé en me choisissant et en me mettant à la tête de cette communauté. Déjà plus, je suis professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique depuis le Cameroun. Et je pense qu'avec mes aptitudes, avec
métal avec mes talents, je serai capable de montrer la route, la voie de Dieu et de conduire mes frères, de les rediriger dans l'Église. Surtout, ceux-là qui veulent revivre le goût des célébrations eucharistiques comme en Afrique. Qu'est-ce que j'entends par là? L'un de mes principaux objectifs, c'est de former une grande chorale multiculturelle où nous allons louer le Seigneur en plusieurs langues, certaines langues d'Afrique, comme en anglais. Pour ceux qui le savent, nous sommes dans un pays d'expression anglaise, donc nous sommes obligés de parler aussi anglais. Et mon premier objectif serait donc de former cette chorale que j'ai déjà commencé à former petit à petit. J'ai là de plusieurs nationalités du Congo. J'ai des choristes qui sont du Congo, d'autres qui sont du Cameroun et du Nigeria. C'est déjà quelque chose. En plus, je pense faire une animation pastorale au niveau du diocèse en formant, en déléguant le pouvoir dans chaque paroisse. Voici ce que je pense. Je pense d'abord, après la messe d'action de grâce que nous avons eue ici en Pennsylvanie, à Harrisburg, je voudrais commencer la tournée dans le diocèse pour déjà me faire connaître et passer le message de l'évêque, puisque je suis son messager sur le terrain. Donc, je commence une tournée dans les paroisses du diocèse. Je connais déjà certaines, où je vais à peine exhorter mes frères à me joindre, à se joindre à nous pour que cette mission se réalise et pour pouvoir contribuer dans la vie de l'Église, de notre diocèse. Ici, le diocèse comprend 189 paroisses. Et des 189 paroisses, il y a des paroisses qui n'ont pas de noir. Mais vous serez surpris d'entendre que ces paroisses-là ont pour curé les Africains. Je suis déjà allé dans certaines paroisses où j'ai rencontré, je n'ai pas vu de noir, mais le curé est un noir africain. Donc, cela me donne envie vraiment de me mettre au travail avec mes frères, et c'est une joie pour moi de pouvoir partager ce que j'ai reçu avec les autres. Waouh, c'est vraiment très intéressant ce que vous avez rencontré. Et je disais tout à l'heure et je disais aujourd'hui qu'il faut, il faut accepter que votre parcours n'a pas vraiment été facile. Votre parcours n'a pas vraiment été facile. Du moment où vous êtes quitté du Cameroun pour arriver ici aux États-Unis, il faut rappeler que ça n'a pas été facile et ce n'est pas toujours facile pour une Africaine comme vous de réussir et d'avoir un poste comme celui-là dans un diocèse, dans tout un État des États-Unis. Oui, nous sommes, ce que vous dites est vrai, chaque vie a toujours des moments de joie et des moments difficiles. Arriver à un poste de ce genre, très souvent, être nommé, tu ne sais pas d'où ça vient, mais avec la foi, tu dois accepter que c'est un appel de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai placé ma nomination sous le signe de l'appel de Dieu, du retour à la maison du Père que j'ai d'abord voulu servir. Même si je suis mariée aujourd'hui, c'est d'ailleurs une joie pour moi de servir Dieu étant mariée, et je vais pouvoir parler de lui avec l'expérience de mariage et l'expérience de la vie religieuse que j'ai eue au début.
Bien, évidemment, je suis pas arrivée là dans un cours sans embûches. Déjà en 2000, je rejoins mon mari dans la ville de Harrisburg. Je suis nouvelle dans la ville. Je n'ai que 1 an aux États-Unis. Je viens de rencontrer un homme que je pense être celui avec qui je vais partager ma vie. Je suis une femme éduquée. Je ne maîtrise pas très bien l'anglais. Quand je suis au Cameroun, j'ai étudié et j'ai fait les cours d'anglais comme tout le monde à l'université. C'était on a fait les cours de certains cours en anglais. Mais étant née dans une zone francophone, je ne parlais pas couramment anglais. Donc j'avais donc déjà ce défi-là à relever en m'intégrant dans la communauté américaine dans la ville de Harrisburg. J'ai eu la chance, quand je rencontre mon mari, je lui ai demandé où se trouve l'église catholique. Le premier jour que je suis entrée dans sa maison, je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer là où se trouve l'église catholique? Effectivement, là où nous avons eu la célébration, là, c'est là qu'il m'a conduit. Il m'avait déposé là, il m'a dit, c'est ici, je vois souvent les gens venir ici. Alors, j'ai découvert l'église Saint-François d'Assise qui était à ce niveau-là. Je suis rentrée à l'église, j'ai commencé à prier, j'ai loué le Seigneur et je me suis mise à genoux devant le tabernacle. J'étais toute contente, je regardais, je ne savais même pas là où j'étais. Alors, comme la maison n'était pas loin de l'église, j'ai donc pris l'habitude d'aller prier, d'aller à la messe tous les matins. Chaque matin, dès que je me lève, je dis à mon mari, je m'en vais à l'église. Et je suis allée comme ça pendant tout mon temps. C'est d'ailleurs l'ampleur de temps que j'avais même depuis le Cameroun, aller à l'église, aller prier. Et puis, quelques semaines après, j'ai eu la rencontre d'un certain monsieur du nom de Michael Chicoprio, qui lui, aujourd'hui, c'est le directeur exécutif hein, de Pro-Life Association ici aux États-Unis. C'est celui-là aussi qui venait à la messe le matin, qui un jour m'avait posé la question, ce n'est pas facile, ce n'est pas commun de voir des jeunes femmes, jeunes filles venir à l'église. Dites-moi qui êtes-vous? Et j'ai souri, je lui ai dit, ma vie n'est pas compliquée. J'ai seulement une histoire avec Jésus et je dois tous les jours écrire un chapitre de notre histoire. Voilà comment je rentre petit à petit dans la communauté catholique de Harrisburg. La deuxième personne qui va aussi, que je vais rencontrer, toujours à mes premiers moments dans cette église, c'est Madame Gwen Sommer, que j'ai remplacée. Et à l'époque, je ne savais même pas le poste qu'elle occupait, il faut dire, dans le diocèse. J'ai rencontré une dame qui était émerveillée de me voir. Elle était sympathique. Nous avons échangé. Je lui ai dit de quel pays je venais. Donc, j'ai continué à aller à la messe. Après cela, c'est les prêtres, même le curé, qui m'avait sollicité pour travailler dans le presbytère. Ce que je n'ai pas refusé parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore tous mes papiers. Je n'avais que l'autorisation de travailler. J'apprenais encore l'anglais. Alors, ce curé, le père Jean Bernard, m'avait demandé si je peux travailler dans le presbytère et puis donner la catéchèse aux enfants, aux adultes qui veulent prendre le baptême, la confirmation et la communion. Je dis, hey, je lui ai répondu, père, mon anglais n'est pas très bon, je ne parle pas très bien anglais. Il dit non, mais on t'entend, moi je t'entends bien, tu peux bien donner les cours d'anglais. Alors, c'est comme ça, pas les cours d'anglais, les cours de catéchèse. Alors, c'est comme ça que j'ai accepté petit à petit à travailler et je prenais aussi les cours d'anglais
pour être capable de m'exprimer couramment en anglais. Donc, j'ai commencé à être catéchiste dans cette paroisse de Saint-François d'Assise. J'ai travaillé dans le presbytère des Pères et je travaillais également à la sacristie parce qu'il y avait, je voyais un besoin. Pendant les messes du matin, c'est moi qui chantais ou alors je fais la lecture. Donc, je me suis retrouvée vraiment à l'aise dans mon élément et j'ai pris de l'envol là, j'ai pris goût et c'est comme ça que la communauté m'a accepté. Ça fait que tout le temps que j'étais là, je faisais ces activités, je participais à la messe et j'allais aussi au retrait grâce à ses pères. Je me souviens que quand il a fallu que j'ai commencé à demander comment faire pour rentrer, pour commencer mon doctorat, on a essayé de voir les voies et moyens. Le système ne me le permettait pas parce que je n'avais pas les papiers. Alors, j'ai décidé, on est allé avec Miss Gwen, jusqu'à voir les représentants de l'État de Pennsylvanie qui sont au Parlement, un sénateur qui nous a dit qu'il fallait que j'attende de me marier avec mon mari, comme il n'était pas encore américain, me marier, et puis ça va être facile. Donc, que je sois patiente et que je ne me mette pas dans les trous, dans les choses qui vont compliquer le dossier. Alors, s'il y avait eu un dossier déjà au niveau de l'immigration, ça allait être facile et allait vite intervenir. Alors, je suis rentrée là un tout petit peu abattue parce que j'avais vraiment envie de commencer mes études. Je dis, c'est la raison pour laquelle je suis venue aux États-Unis. Comment je vais vivre sans aller à l'école? Même si je faisais les cours d'anglais, ce n'était pas tout à fait ce que je voulais. Et donc, la plus grosse difficulté là, c'est quand c'était d'avoir donc de rentrer dans le système, avoir mes papiers. J'ai, avec beaucoup de patience, je me suis donné au travail, comme j'ai pu avoir un travail. Je me suis concentrée là et de commun accord avec mon mari. Nous avons dit, quand ce sera possible, on va se marier. Et nous nous sommes mariés. Et c'est donc à travers lui, à travers mon mari, que j'ai pu avoir la green card. Ceux qui ne le savent pas, le système ici, tu peux avoir les papiers à travers un mariage ou à travers un travail. Ou il y a d'autres voies. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer un homme vrai, et avec qui j'ai décidé de faire ma vie. Donc, nous nous sommes mariés et 6 mois plus tard, j'ai envoyé les papiers à l'immigration et tout a bien marché, sans embûche. Bien, je suis tout de même reconnaissante vis-à-vis de cet homme parce que quand j'ai appris les histoires, le parcours des uns et des autres ici aux États-Unis, je me suis vue bénie de Dieu parce que déjà, j'arrive diplômée du Cameroun avec un 2A en histoire des relations internationales. Je rencontre un homme avec qui je m'entends que nous allons nous marier. Pour moi, c'était tout à fait normal. Une femme qui est étudiée et qui rencontre un homme, une femme qui a étudié, la seule chose qui lui manque maintenant, c'est d'avoir un compagnon de vie. Et c'était pour moi pas un plaisir, c'était un choix idéal pour moi de faire à ce moment-là parce que non seulement j'avais fini les études, j'avançais en âge, j'arrive aux États-Unis. Et c'est le premier homme de ma vie. Et j'ai dit, Dieu m'est témoin, il sera à jamais mon mari, avec la grâce de Dieu, parce que j'ai fait de lui l'homme idéal. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit,
Je suis bénie de Dieu de l'avoir rencontré et je crois que lui aussi, il est béni de m'avoir rencontré. Et c'est comme ça que nous avons commencé notre vie. Vous êtes bénis de l'avoir rencontré et certainement nous sommes ici sur Afrique Today. Pour ceux qui nous regardent actuellement, je vous rappelle que je suis toujours ici en direct avec Madame Rose Angèle Elomo. Elle est actuellement avec moi en direct du côté de Harrisburg, c'est en Pennsylvanie, et elle nous parle de son histoire et de sa nomination au diocèse de cette ville et de cet État. Et ça, c'est vraiment un événement riche en couleurs. Et à propos, vous étiez en train de nous parler de votre mari là, et nous avons eu un interview de votre mari. On va écouter comment ce qu'il pense de vous. À tout à l'heure. Alors, c'est toujours Afrique Today. Alors, nous sommes ici en Pennsylvanie où nous sommes venus participer donc à l'intronisation de Angèle Mbassi, qui est devenue la coordinatrice de la communauté noire ici dans le diocèse de cette ville. Alors, je suis ici avec son mari. Alors, salut monsieur. Oui, bonsoir, bonjour, salut. Oui, moi c'est Albert Elomo Ngene. Nous sommes plus précisément ici à Harrisburg, Pennsylvanie. Harrisburg qui est d'ailleurs la capitale de l'État de la Pennsylvanie. Alors, c'est un réel plaisir de se mettre au service du Seigneur, le Saint-Esprit, étant donné que nous sommes Africains, Camerounais en particulier, c'est une occasion de s'imprégner dans la communauté noire. Bon, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose, c'est un milieu qui nous rapproche de nos frères américains pour qu'ensemble on puisse évoluer. Oui, on vient de participer là à l'intronisation de votre femme et c'est pour la première fois dans l'histoire de cette ville de ici en Pennsylvanie qu'une Africaine, je veux dire pas une noire, peut-être une Africaine, se met à la tête comme coordinatrice de ce diocèse. Qu'est-ce que ça vous fait? Oh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un réel plaisir, étant donné que mon épouse, elle est très très active dans l'église. C'est une croyante, une chrétienne très très engagée. Alors elle a été sollicitée pour diriger cette communauté et surtout que la plupart veulent apprendre beaucoup de choses de la culture africaine. Alors, quels sont les plans? Vous allez la laisser s'occuper de cette très très grande communauté parce que nous avons constaté que ici en Pennsylvanie, il y a vraiment une très grande communauté. Oui, vous savez, on ne peut pas empêcher une personne dont le Seigneur a choisi qu'elle se mette à la disposition de cette communauté et surtout pour l'évolution de l'Église catholique. Alors, merci, monsieur. Alors, quel est le message que vous donnez à votre femme pour l'assister? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Oh, elle le sait d'ailleurs, je suis un vrai combattant, un travailleur. Elle a mon support de temps en temps, étant donné que moi-même, je suis à la tête de la communauté camerounaise, président de l'association Oyilewiti. Alors, j'aime pousser les choses. Même comme certains peuvent croire que j'utilise les méthodes militaires, mais je suis celui qui veut aller de l'avant. Merci, merci vraiment monsieur, c'était le plaisir de vous avoir. Et mon petit nom c'est Albert du Cameroun. Albert du Cameroun, alors restez connectés, c'est Afrique Today. Depuis Harrisburg, Pennsylvanie. Depuis Harrisburg, donc c'est ici, je m'appelle Alain Pierre, nous sommes venus donc participer donc à l'installation de Madame Angèle, donc qui fait vraiment beaucoup pour la communauté africaine et pour la communauté noire ici à Harrisburg. Et un grand honneur pour le Cameroun,
qui va toujours de l'avant. Un honneur pour le Cameroun d'en rester connecté sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre, à bientôt. Alors là, on vient de suivre votre mari. C'est vraiment, je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'il disait, c'est vraiment très intéressant, votre relation. Merci, c'est vrai que nous avons placé notre vie, la vie de notre couple dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, comme il l'a dit, je me suis toujours posé la question, comment le Seigneur a attendu que j'arrive aux États-Unis pour le mettre sur ma route. Oui, et ce n'est pas facile de rencontrer, facile de rencontrer des gens vraiment très intéressants comme votre mari. Et alors, c'est toujours donc ici Afrique Today. Donc, nous allons donc prendre une petite pause publicitaire et nous allons venir et pour parler du moment très, très important de votre installation du côté de Harrisburg. Je vous rappelle que je suis toujours ici en direct avec Madame Angèle, qui est actuellement avec moi du côté de Harrisburg, c'est Ampersevenie. On est en train de parler de son installation, une première dans la communauté noire de l'État de Pennsylvanie. Alors, on prend une pause publicitaire et on revient tout à l'heure, juste après la pause publicitaire. À tout à l'heure. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre, 4 p.m. This Time Africa with Sian Natilda Banga, 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo, 5:30, Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on four platforms, Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Elle est donc africaine, elle est camerounaise, elle s'appelle Madame Rose Angèle Elomo. Elle est actuellement en direct avec nous du côté de Pennsylvanie, c'est plus précisément dans la ville de Harrisburg. Elle est en direct avec moi actuellement, on parle de son installation, une installation qui a été vraiment riche en couleurs. Elle a été nommée coordinatrice générale de la communauté afro-américaine dans le diocèse de cet état. Alors, une nomination vraiment explosive, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de cet état qu'une africaine est à la tête de cet événement. Avant que je vous pose ma question, essayons de regarder ce moment de cette passation de service qui a été un moment vraiment très émouvant. On le regarde, on revient tout à l'heure. Herman, from Rockville, Maryland.
He is going to do the official blessing, the passing of the office with to Andrew. Robert, thank you. The Lord be with you. So may we stand for the blessing. We bless your name, O Lord, for sending your own incarnate Son to become part of a family, so that as he lives his life, he will experience his worries and his joys. We ask you, Lord, to protect and watch over this family, the family of the Harrisburg Black community, so that in the strength of your grace, its members may enjoy prosperity, possess the priceless gift of your peace, and as a new church, alive in the home, bear witness in this world to your glory. We ask this through Christ our Lord. Amen. She will hand the candle in order to transfer the office to the new coordinator. May we be seated. Une cérémonie très riche en couleurs, Rose Angèle et l'homme en devenir, elle est déjà la coordinatrice générale de la communauté afro-américaine de l'État de Pennsylvanie, plus précisément dans la ville de Harrisburg. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, Rose Angèle, de revoir ces moments? Il faut dire que je suis vraiment ravie et c'est émouvant. C'est émouvant de voir tout ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne m'imaginais pas. J'ai pris vraiment ça à cœur pour que tout se passe bien. Et je vois que Dieu était avec nous. L'Esprit de Dieu nous a accompagnés. Cette maman, elle ne savait même pas que j'allais... que cette cérémonie était d'abord en son honneur. Parce que quand l'évêque me nomme, il y a de cela un mois, il y a de cela deux mois, elle-même, elle ne se retrouvait pas, elle était déjà malade, vous pouvez voir comme elle est fatiguée. Mais moi, en prenant le poste, je me suis dit, elle a fait 25 ans de service dans l'Église catholique. La voyant fatiguée, ça me ferait mal de voir que demain ou après-demain, quand on ne peut plus la voir, c'est en ce moment-là qu'on va lui dire merci. Donc, ça fait que c'était d'abord une première motivation pour moi de dire non, 25 ans, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, c'est quand même une vie qui doit être célébrée. C'est comme ça que j'ai donc demandé à la communauté. Et c'est d'ailleurs mon premier événement, ma première sortie officielle. J'ai demandé à la communauté de célébrer cette messe en son honneur. Donc, quand je suis maintenant devant les faits, je dois appeler les gens. Certains ne me connaissent même pas, vous serez surpris, parce que je suis une immigrante. Je parle anglais avec accent, comme ils disent. Je dois
organiser un événement de ce genre. Moi-même, personnellement, je me pose la question, est-ce que ça va donner ou ça ne va pas donner? C'est quand je me retrouve devant le jour là, le matin, je vois les gens, tous les gens que j'ai fait appel. Vous avez vu le diacre, Lorenz, qui est là. Il est l'un des piliers du diocèse. Ils ont presque le même âge, à qui j'ai demandé de faire l'homélie. Vous avez vu un autre père, là, il est camerounais, mon frère. J'aurais bien voulu avoir un prêtre noir, mais j'ai cherché tous, ils étaient occupés. Et cela m'a choqué parce que quand je repense au Cameroun, je ne peux pas demander avoir besoin d'un prêtre. J'aurais plus de 10 prêtres au même moment. Donc la difficulté était là, le challenge, comme on dit, était là. Et je devenais de temps en temps un peu, comme ils disent, nerveuse parce que je voulais absolument que cela réussisse, comme c'était ma première sortie. Dieu est grand, cela s'est bien passé. Et vous allez, ceux qui ont suivi mon intervention au tout début, c'était de lui dire merci. Cette messe était une expression de joie, une expression de gratitude pour la communauté noire américaine qu'elle a dirigée pendant 25 ans. Et à cette occasion, donc, j'ai voulu également qu'officiellement, qu'elle me passe le service comme ça se fait dans la culture africaine. Normalement, nous sommes là en phase de deux générations. Elle est la première génération, c'est elle qui a d'abord occupé ce poste. Maintenant, elle doit passer la flamme à la nouvelle génération qui la remplace. C'est pour ça que vous avez vu, le prêtre nous a donné la bougie. Et je crois que c'est la lumière du Christ qu'elle m'a transmise. Puisque nous tous nous croyons, qu'elle m'a transmis à travers cette bougie. Et moi, c'est pour ça que nous avons pris le chant, le petit chant sur la lumière. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Ok, c'est vraiment très très génial. Oui, bon, nous tirons déjà presque à la fin de notre émission. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces jeunes Camerounaises qui vous regardent actuellement et qui pensent que, vous savez, ce voyage, quitter de l'Afrique, arriver à l'étranger et réussir et avoir un succès énorme comme le vôtre, ça ne se donne pas à tout le monde. Il faut tout d'abord prier, comme vous l'aviez fait. Et en plus de cela, il faut être vraiment motivé pour aimer ce que vous faites. Alors, quel est ce conseil que vous voulez donner à la jeunesse camerounaise qui vous regarde actuellement? Oui, merci, monsieur Alain. Le message premier que je passe à la jeunesse camerounaise, c'est un message de foi. De foi, il faut avoir foi en soi-même. Il faut avoir foi en Dieu. Premier message. J'ai toujours cru que je suis capable de faire de mon mieux. Et avec la grâce de Dieu, j'arrive toujours à surmonter les obstacles que j'ai toujours rencontrés sur ma route. C'est pour cela, aujourd'hui, j'ai accepté votre intervention pour que ma vie, ceux qui vont entendre mon histoire, qu'ils voient dans ma vie une motivation. Je voudrais que mes jeunes frères, mes enfants aujourd'hui, puissent avoir des modèles de motivation. Ceux-là, des bons modèles, prenez ce qui est positif chez des gens qui vous encadrent. Un autre point, c'est de vous entourer avec des personnes positives qui vont tout le temps vous encourager à aller de l'avant malgré tous les obstacles. J'en ai eu, mes amis, j'en ai eu des déceptions dans la vie religieuse, mais je ne me suis pas découragée. À l'école, je n'en ai pas beaucoup connu parce que j'étais très brillante depuis l'école primaire, depuis mon
primaire, j'étais très brillante à l'école. Mais dès que j'ai fini avec le bac, j'ai voulu aller commencer la vie active. J'ai commencé à rencontrer des difficultés. Vous aurez des gens qui ne vous aimeront pas. Aujourd'hui même encore, c'est pire. Quand quelque chose vous arrive, demandez-vous comment est-ce que je vais faire pour surmonter cette situation. C'est ça ma motivation. Avoir Dieu dans votre vie, croire en vous. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Sinon, vous allez vous retrouver dans des problèmes. Il n'y a pas de vie sans Dieu et il faut aussi rappeler que Afrique Today a fait son déplacement pour venir participer à cet événement grandiose et il y avait aussi d'autres médias sur place, c'est ça, non? Oui, il y avait le journal catholique ici, du diocèse, qui s'est déplacé pour venir m'interviewer, pour venir vivre ce moment, couvrir ce moment. Et on aura probablement dans les journaux du mois de juin, on aura les images et mon plan de travail à venir. Donc, le diocèse est au courant, le diocèse a pris les choses en main. Ici, aux États-Unis, je peux dire seulement qu'ils ont pris la bonne personne. Et il faut sans oublier qu'Afrique Today était là sur place. Et Afrique Today. Afrique Today, comme la chaîne de télévision de mon pays, m'a beaucoup réconforté, m'a beaucoup donné le courage. Vous savez, quand vous êtes dans une position pareille, vous êtes à l'aise quand vous êtes avec les vôtres. Ce n'est pas du racisme, mais le grand support, le grand soutien qu'on peut avoir, c'est quand tu es entouré de ta famille, parce qu'ici nous formons une famille, nous tous qui venons d'Afrique, et même si nous rencontrons d'autres ici. Afrique Today, je vous dis merci d'avoir mis la grande lumière sur ma vie. Merci à vous. Alors, avant de quitter, c'est la tradition ici sur Afrique Today. On va vous demander de dire quelque chose. Je sais que vous êtes, je crois, Béti. C'est quelque chose c'est une langue du Cameroun. Si vous pouvez dire deux mots en votre langue, si vous n'avez pas oublié, et on finit l'émission. Bon papa et bon maman, oui, j'ai un nom de Mingang, et un petit terrier, et le yon le minga yon le man, dans le yon le c'est le sopam zama a tellement été intervossouya à Vinevis-Sevina à Diocèse Harrisburg à Pennsylvanie à Nord-Amérique et nous d'oumé et d'oumé zama m'gamin vengang et le yon le c'est le minga yon le man. Et pour vous, c'est une fois, non, moi, je vais vous donner une idée de la musique. Non, mais que nous sommes aimés, le voir ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci vraiment beaucoup pour votre don, pour votre participation à cette édition d'Afrique Today et à cette édition de l'invité du dimanche. Alors, un invité du dimanche vraiment riche en couleurs. Et je rappelle à ceux qui viennent de se connecter, qui sont arrivés presque à la fin de cette émission, que avec moi depuis Pennsylvanie, plus précisément à Harrisburg, j'avais Rose Angèle Elomo qui a été nommée la première Afrique. La première noire africaine à nommer dans le diocèse de Harrisburg, c'est en Pennsylvanie. Alors, Afrique Today est donc a accédé à cette cérémonie et nous avons montré les images au courant de cette émission et nous avons aussi parlé du parcours de Rose Angèle Elomo. Rose Angèle, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Et merci beaucoup pour votre temps. Le plaisir est mien. Merci beaucoup. Merci à ceux qui se sont connectés sur Afrique Today. Donc, restez donc connectés sur Afrique Today. Donc, tout à l'heure, donc, à partir de 17h, à partir de 16h, ce sera votre émission d'Istam Africa avec Sia Malchite Banga. 17h, Transformation Point. 17h30, Sab Connect. Moi, je m'appelle
Alain Pierre, et certainement je vous retrouve dimanche prochain. C'était l'invité du dimanche et c'était le plaisir de vous avoir ici avec nous très très nombreux. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao.